Good morning, Aleiden. Et tu seras aujourd'hui le lundi matrivka bat Sarah Rachel, Rachel bat Sarah, Peggy bat Esther, Lisa Lisa bat Frecha, Zara bat Mazal Tov, Shiportish. Si vous souhaitez, voici une prochaine étude de Mishnah. Contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Sanhedrin Perigimel Mishnachet. Kol Zman Shemevi Reaya Soter Tadin. Amrolo. Kol Reayot Shiyash Lecha Have Mikan Ad 30 Yom. Matzav Etor 30 Yom Soter. Lachar 30 Yom Eno Soter. Amar Rabban Shimon Ben Gamliel. Ma Yaaseh Ze Shelo Matzav Etor 30 U Matzav Lachar 30. Deuxième cas. אמרו לו, הווה עדים, ואמר, אין לי עדים. הווה ראיה, ואמר, אין לי ראיה. ולאחר זמן, הביא ראיה ומצא עדים. הרי זה אינו כלום. אמר רבן שמעון בן גמליאל, מה יעשה זה שלא היה יודע שיש לו עדים ומצא עדים? לא היה יודע שיש לו ראיה ומצא ראיה. תחזב כתפיגור. אמרו לו, הווה עדים, אמר, אין לי עדים. הווה ראיה, ואמר, אין לי ראיה. ראה שמתחייב בדין, ואמר, קירבו פלוני ופלוני ועידוני, או שהוציא ראיה מתוך הפונדתו, הרי זה אינו כלום. Trois cas de figure, comme on l'a bien insisté dans la Mishnah, on va aller en progressant dans le même sens. Avec le premier cas d'abord. Kolzman Shemevi Raya, Soter Tadin, tout d'abord. Tant que le condamné apporte une nouvelle preuve, le verdict a été prononcé il y a deux semaines, il a régler ce que le Bedin l'avait condamné, et finalement, il apporte une nouvelle preuve, qu'en réalité, il n'était pas coupable. Ouais, il a découvert, quand, on parle d'un accident de voiture par exemple, on l'a accusé qu'il était en tort, il a dit, bon, je suis en tort, j'ai pas réussi à prouver que j'avais pas de tort, je paye, il me la saute, il n'y a rien à faire. Et il s'avère qu'il apporte ensuite une nouvelle preuve, il a découvert qu'il y avait un voisin d'un peu plus loin, qui passait à ce moment-là en vélo, qui avait eu l'accident, qui était capable de témoigner qu'il n'était pas du tout en tort. Donc il apporte une nouvelle preuve, Soter et Tadin, il pourra contredire le verdict, et les juges analyseront ce nouveau témoin, apporteront les autres témoins, compareront les propos de chacun, et on redélibérera, et on reprononcera un nouveau verdict. Maintenant, Amroulo, les juges lui ont dit, écoute-moi, ça fait déjà 5 fois que tu nous fais le coup, que tu nous apportes des témoins, des preuves qui ne sont pas vraiment des preuves. Viens, on te fixe comme ça. Kol ve'ayot sheyesh lecha, toutes les preuves que tu as, have mikan ad 30 yom. Apporte-les d'ici 30 jours au maximum. On te laisse un délai de 30 jours, tu fais le tour du pays, tu tapes à toutes les portes du quartier, tu demandes est-ce que quelqu'un il a une preuve, et d'ici 30 jours, tu reviens, tu nous apportes tes preuves. Et si tu ne les as pas trouvées, c'est tout, on s'arrête là. Alors, Matsa betor 30 yom soter. C'est bien sûr, s'il trouvera une preuve pendant les 30 jours, il pourra contredire le verdict. Par contre, Leachar 30 yom et non soter. S'il apporte sa preuve après les 30 jours, il ne pourra plus contredire le verdict, remettre en cause le verdict. Amar Rabban Shimon ben Gamliel. Rabban Shimon ben Gamliel a rétorqué. Ma yaase ze shelo matsa betor 30 ou matsa leachar 30. Qu'est-ce qu'il pouvait faire, ce pauvre gars, ce pauvre condamné, qui n'a pas réussi à prouver ses preuves pendant 30 jours, et qu'après il a réussi à trouver des témoins après 30 jours? Quel est le problème? On explique un petit peu mieux. C'est le même problème qui va aller en grandissant dans les trois cas de la Mishnah. Pour le moment, c'est le cas le plus simple, sur lequel Rabban Shimon ben Gamliel discute, et là, la phrase sera tranchée pour celui-ci spécialement, comme Rabban Shimon ben Gamliel. Soit, le problème est que quelqu'un qui n'apporte pas une preuve, et qu'après il vous apporte une preuve, et des témoins parfaits, vous allez commencer à le soupçonner. Il n'avait pas des témoins, et d'un coup il vous sort de sous la manche un témoin. Ça sent le roussi cette histoire. Il a dû payer un petit peu, il a dû lui promettre mon et merveille. De ce fait, on ne peut plus recevoir cette nouvelle preuve, encaisser ce nouveau témoin. Ça c'est l'avis de Tanakama. Et Rabban Shimon ben Gamliel, il leur dit, non, calmez-vous là. Il n'a rien fait de mal. Ça arrive, c'est tout à fait humain et normal de ne pas trouver une preuve. On ne savait pas qu'il y avait un témoin oculaire, en l'occurrence. Il l'a trouvé, il pourra contester le verdict. Même après 30 jours, il n'y a aucune raison de le rendre pas soul, de l'invalider. Ça, c'est la première partie de la Mishnah. Deuxième partie de la Mishnah, avec un cas un petit peu plus aigu. Amroulo, les juges lui ont dit, « Have Edim, apporte des témoins. As-tu des témoins ?» Il a dit quoi? Vamar, Eni Edim, non, j'ai pas de témoins. On était tout seul dans une route déserte.
Amro, Averaya, as-tu une preuve? Peut-être qu'il t'a écrit un contrat. Ouais, on parle plus d'un accident de voiture, on parle d'une reconnaissance de dette. Quand tu as payé, peut-être qu'il t'a écrit un reçu. Averamar, Eneraya, j'ai aucune preuve. Et Oula Harzman, mais plus tard, finalement, il est revenu au Beddin. Eviraya ou Matsaedim, oh, miracle! J'ai trouvé des preuves, j'ai trouvé des témoins. Est-ce qu'il pourra maintenant remettre en cause le verdict? Sur ça, Tanakama nous dit, Arei ze enoklum, ça ne vaut rien, c'est trop tard. Tu nous as dit que tu n'avais pas et d'un coup tu nous apportes des témoins. Ça sent trop le roussi ton histoire, on ne peut pas te faire confiance. C'est trop bizarre. Et sur ça, malgré tout, Rabban Shimon ben Gamliel revient à la charge et nous dit, Amar Rabban Shimon ben Gamliel, Maya seze shelo ya yodea shesh lo edim o matzaedim. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il pensait honnêtement, Rabban Shimon ben Gamliel lui donne plus de crédibilité, il pensait honnêtement qu'il avait encore des preuves et qu'il n'avait plus de preuves. Et en réalité, il a découvert qu'il y avait une preuve sur la route déserte. Il pensait que c'était bien une route déserte et finalement il y avait quelqu'un qui passait avec un tracteur au loin qui a vu toute la scène. Ça peut être tout à fait plausible comme histoire. Ou encore, il ne savait pas qu'il avait un shtar, un contrat, et finalement, il s'est souvenu après coup qu'il l'avait. Ça peut arriver, il n'y a pas lieu de remettre en cause sa parole. Sur ça, la halakha ne sera pas fixée comme Rabban Shimon ben Gamliel. Et maintenant, un troisième cas de figure, où même Rabban Shimon ben Gamliel ne discute plus, parce que là, même Rashbag, Rabban Shimon ben Gamliel va nous dire, alors là, ça sent vraiment le roussi cette histoire, et même lui ne discutera pas. Amrou lo, ils lui ont dit le juge, Havé Edim, apporte-nous tes témoins si tu les as. Amar Eni Edim. Non, j'ai pas de témoins, désolé. Averaya, apporte-nous tes preuves. Amar Eni Raya. J'ai pas de. Aucune preuve. Aucun contrat. Et ensuite, Rash Mitrayev Bedin, il a vu que le juge, le vieux juge, il était là avec son petit marteau, il s'apprêtait à nous dire oh, tu es. Il a peu juste commencé à dire le mot pour dire Khayav, il a dit ah, attendez. Amar Kirvu Ploni ou Ploni Veraidouni. Eh, attendez. Toi là-bas, vous deux, allez, venez, témoignez finalement, faites témoigner ce que vous avez à dire. Ou encore, Oshoti Raya Mitochafundato, il a dit, attendez. J'ai en réalité un shtar, il nous a ouvert la sa chemise, il nous a sorti un contrat parfaitement signé avec deux signatures en bas, des plus grands rabbins du monde. Et donc vous voyez, en réalité, c'est un truand l'autre. La Mishnah nous enseigne à raiser Enoklum. Cette fois-ci, là, ça vaut plus rien ton histoire, parce que là, on a bien vu que tu nous as rapporté ta preuve uniquement lorsque tu as vu que tu allais devenir Khayav. Pourquoi tu ne voulais pas porter tes témoins et tes preuves auparavant? Ouais, ça signifie que, dernier coup de pression, tu te dis, allez bien, j'ai actionné toutes les fausses preuves que j'avais prévues, et je vais les mettre. Et donc là, c'est sûr, ça sent le roussi. D'après tous les avis, on ne se fondra pas sur ces preuves. On ne mettra pas en cause donc le verdict. On fait le Bartenora. Haveraya, apporte-nous ta preuve. C'est quoi une preuve? Tu parles de témoin, tu parles d'une preuve. C'est quoi une preuve? Shtarsrut, un contrat non, qui atteste que tu es quitte. Areize enoklum, ça n'aura aucune valeur. C'est-à-dire, s'il n'a pas conçu sa preuve, c'est la Bitana Kama dans le deuxième cas de la Mishnah qui nous disait que ça n'a aucune valeur de preuve. Pourquoi? Shalamar Enli, attendez qu'il nous a affirmé qu'il n'avait aucune preuve. Pourquoi il apporte une preuve finalement? Freshinan, Shemaziev, Osahar et Desheker, et on le soupçonnera que peut-être qu'il a falsifié ou qu'il a payé des faux témoins. Amar Rabban Shimon ben Gamliel, Rabban Shimon ben Gamliel donc a discuté, et sur ça, Ve'en alacha ki Rabban Shimon ben Gamliel. L'alacha ne sera pas établie comme Rabban Shimon ben Gamliel. Entre parenthèses, c'est bon à savoir, il y a une Gemara qui nous dit, qu'on rencontre fréquemment ce qui est dit du Daf Yomi ou de la Gemara, כל מקום שנה רשבג במשנתנו הלכה כמותו, חוץ מערב, צידן וראיה אחרונה. Dans tous les endroits où il y a Rabban Shimon ben Gamliel qui parle dans la Mishnah, la halakha est tranchée comme Rabban Shimon ben Gamliel, sauf trois exceptions. Arev, Tzidon et Reaya Acharona. Arev, c'est la dernière Mishnah de Babadra qu'on a vue il y a quelques semaines. Arev, l'achar Chitou Shtarot, le Arev qui est signé après les signatures de témoins. Et Tzidon, c'est une Suga d'Anguitine. Et Reaya Acharona, c'est celui-là. Il y a ici deux cas de figure de la Mishnah de Reaya, de preuve, qu'il apporte une preuve, et Reaya Acharona dans le dernier cas, c'est-à-dire le deuxième cas, que la halakha n'est pas comme Rabban Shimon ben Gamliel. On referme la parenthèse et on continue le Bartenora. Qui avez-vous, Ploni ou Ploni Veidouni? On avait dit, une fois qu'il a fini le procès, une fois qu'il a senti que le juge allait le condamner, il nous a dit, non, car vous, Ploni ou Ploni Veidouni, approchez-vous, tel et un tel, et témoignez pour moi.
Béha, a fait le Rashbag modé. Même Rabban Shimon ben Gamliel, il reconnaît cette fois-ci que elle a l'air fausse son histoire. De Kevan Shayyodea Ben Vamar En, et puisqu'il il savait, ils étaient présents, puisqu'il nous dit, hey, approchez-vous et venez. Donc, ils étaient présents. Pourquoi tu n'as pas pensé à apporter ta preuve avant? Et tu nous as dit que tu n'avais pas. Vadaï Shakran, c'est sûr que c'est un menteur. Aval Atoen, Yeshli Edim. Maintenant, nouveau cas de figure que le Barthénora nous rapporte, c'est celui qui va nous dire Aval Atoen, Yeshli Edim, Oraya Bemdinatayam. Un accusé qui va nous dire, bon, vous me condamnez, mais sachez que moi j'ai des témoins. Ils sont juste partis vivre au Japon pendant 2 ans, mais ils vont revenir. Alors qu'est-ce qu'on fera? On ne va pas faire traîner, c'est de faire traîner le verdict. On ne va pas attendre de délibérer et de prononcer le verdict jusqu'à ce qu'il nous apporte ses témoins qui vont venir du Japon pendant 2 ans, jusqu'à qu'il les amène depuis Outre-mer. Et là, quoi? Qu'est-ce qu'on fera? Les juges prononceront le verdict selon les preuves qu'ils ont à présent. Et lorsqu'il finira par apporter de nouveaux témoins des preuves, on contestera le verdict et puis on remettra tout sur table, on redélibérera de la question. On recommencera à juger selon les juges recommençons à juger selon les témoins et les preuves qu'elle va apporter. Afundato, on a vu qu'il a ressorti une preuve, mitoch afundato. C'est quoi afundato? C'est chagorato. C'était sa ceinture, son ceinturon. Ouais, dans le ceinturon, on laissait toujours des... C'était assez large, on pouvait là-bas laisser des papiers dedans. Ve'id de mefarche malbush asamuch le besaro. Il y en a qui expliquent que l'afundato, ça pourrait correspondre au tricot, l'habit qui est à même la peau, bon, je suppose que c'est pas comme ça en tricot. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selam.